La filaire à feuilles étroites, Filaria angustifolia. La filaire à feuilles étroites est originaire de la garrigue méditerranéenne. C'est une plante arbuste pouvant atteindre 2-3 mètres de haut. Elle fait partie de la famille, de la même famille que les oliviers, les oléacées. Ses rameaux lui ressemblent d'ailleurs beaucoup. Elle peut également rappeler le buis car, comme ce dernier, elle supporte très bien la taille, notamment en boule. Elle est d'ailleurs commercialisée pour les jardins. Elle apprécie la mi-ombre et le plein soleil et peut pousser jusqu'à 800 mètres d'altitude. On la rencontre essentiellement dans le Roussillon, le Languedoc, la Provence, dans la Drôme, l'Ardèche, la Lozère et la Corse. Ses feuilles persistantes sont très coriaces, étroites, vertes foncées avec une face inférieure plus pâle. Leur contour est entier, parfois finement dentelé. Entre mars et mai, les fleurs vertes blanchâtres à jaunâtres, très discrètes, font leur apparition. Elles engendrent ensuite, dès le mois d'août, de petites drupes ou baies de couleur bleu noir à maturité. Ces baies perdureront tout l'automne. Elles sont non comestibles pour l'homme, mais sont très appréciées des oiseaux. Voilà les amis pour cette plante des maquis méditerranéens. J'espère que vous aurez apprécié la découverte. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.